Eh bien bonjour, on se retrouve pour la suite de Yakuza 7. J'ai fait quelques petits trucs de canette, de ramassage de canette pour gagner un peu de points et un peu d'argent. Hors caméra évidemment. Donc voilà, on ramasse beaucoup de canettes, hein. 775 canettes, bon. Voilà. On gagne pas beaucoup non plus, mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait des canettes. T'as pas chômé, dis donc, reviens plus tard. Ok, bon, on va aller du coup à Hello Work, à Pôle emploi, du coup, pour trouver un taf. Vraiment l'histoire de ma vie, ce jeu. J'adore commandant de Bacour. Je sais pas pourquoi, ça me fait très rire. Alors, est-ce que quand j'ai fait le jeu la première fois, ici, il y avait toujours des ennemis qui spawnaient? Eh ben, pas là. Eh ben, tant mieux. Parce que à chaque fois que je passais par là, j'étais obligé de faire un combat à chaque fois et c'était trop chiant. Donc voilà, Pôle emploi, c'est ici. On va nous apprendre un peu encore le système de combat. Et c'est à partir de là que les combats vont être un peu meilleurs. On peut aussi fouiller sous les trucs pour gagner un peu d'argent. Ouais, bref. お前何歳だ ?42 歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意。だろ熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。うん。松尾さん。あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。わかる。こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが、今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。うん、ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。でも、c'est une maison close。いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの。Quel bâtard! Bâtarde? Enfin, quel système de merde! 健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて、仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ。俺、頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。Ah non, c'est pas là qu'ils vont nous apprendre le système de métier. C'est pas là. Ah, Nanba aussi, il a terminé. Noda. Netsui wa tsutawatta ka? Mattaku dame da. Da yo na. Ore mo monzen barai da. 捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえ。ハーモレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。
Il y a toujours la tache de sang sur ma poche. Et la trace de la balle aussi qui a traversé la poche. Tu m'étonnes qu'ils ont pas confiance en moi. Le mec, il est blessé par balle, il se reprend des balles et il vient. Bref. Ah と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね。ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック。一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとうな、おっちゃん。ちょっと、こんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ。規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。いつも勝手なんですから、所長は。わあ、c'était le directeur de Pôle emploi。Du coup, ouais, la nuit est tombée, purée, on a passé toute la nuit. On s'est levé à 5h30 du matin.Pour aller à Pôle emploi, on sort, il fait nuit. Super. Waouh. Waouh. Ah non, c'est parce qu'on a attendu le soir pour... Ok, oui, non, c'est normal, c'est normal. C'est juste qu'on a attendu le soir pour aller au taf. 730 yens. J'ai à peine de quoi m'acheter une course de taxi, quoi. C'est abusé. Et ça ne me servira à rien, de toute façon. On va y aller à pied.On est où? Ah voilà, à côté le truc de Canat est là, donc le camp de SDF est ici, ouais. Bon ça va, je reconnais. On va juste rentrer rapidement au camp de SDF parce qu'il me manque un peu de vie. Ou de points de magie. Donc, hop là, voilà. Comme ça, on régénère notre vie et tout va bien. La rivière qui passe ici, qui est toute polluée, je sais pas si on le voit bien, mais il y a des déchets partout, enfin complètement dégueulasse. Et la suite est par là. Il faudrait... Ah, c'est ça que j'ai pas fait, attendez. Action rapide, c'est quoi ça? Ouais, bon, on s'en fout. Résolution élevée ou normale? Non, résolution élevée. Ouais, résolution élevée. C'est quoi que je voulais voir? Oui, les luminosités de l'écran. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais un tout petit peu éclairer en plus parce que... Ah, bah c'est déjà fait. Ok. Ah, parfaitement visible! Mais c'est pas possible! Ah, bah si, là. Ok, bon, on va laisser comme ça. Profil des personnages. Oh, j'avais jamais vu qu'il y avait ça. Oh oui, j'avais jamais remarqué. Ben on le lira quand l'histoire. Quand j'en aurai besoin, on le lira. Ça m'intéresse. Il y a un truc à ramasser. Pas du tout. Il n'y a rien à ramasser. Oh, il y a des méchants. Non. Bon. Bourreau capitaliste. C'est bon, on n'a pas perdu de vie et on n'a pas perdu de magie. C'était un combat sympa. Enfin, sympa, facile. Enfin, qui m'emmerde pas, quoi. Il y a des ennemis à droite, donc on va passer par là. On n'a pas encore débloqué la carte, donc on voit pas bien ce qui se passe. Mais là, je vois que c'est des ennemis. Et ça, c'est des ennemis. Et si j'étais passé par là, ben, je serais foncé droit sur eux. Mais je crois que dans tous les cas, je vais devoir les taper. Quoique. Ah, je sais. Peut-être pas.
Non, c'est bon. Ok, c'est ici qu'on doit aller. Oh, la vitre est cassée. Ah oui, ok, oui. ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。あ、セール。ハローワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて、神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって、一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店は、もう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ。あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。ça c'est un bail important du jeu ça。あれって。コミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。もう話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。まそうだね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと。どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジロに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか。コミジュルにいねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で行けば死ぬのは間違いなし。てわけでばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。ほら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に張ったもんなんだし。バカ言うね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？うん。ça se passe faire。何してんだよ、ババ。すみません。私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたら、どんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ。今までもずっとこの繰り返しで。
ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。あたしも年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。あのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんなぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ？電線をまた引き直してそれでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああそれがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったり叶ったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまじ。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もうやるよ。やればいいんだろうか。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか、ママ。ボンボンボン。On va rencontrer les Xiaomi, les Coréens. Moi, je les appelle les Coréens. Parce que le nom est dur à dire. Et que j'ai pas envie de l'écorcher. Shikashi, bukimi na biru da na. Konna ni densen hippatte. Yazura ittai nani ni tsukatten da? Ore ga shiru hazu ne daro. Nomi sugi da ze, Namba.たった5000円ポチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。5000円、je crois que ça fait genre 30€。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れない。30€、何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて。客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。偉人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。
もし確認しに来て、そのままほっといたら。いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでも、いつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番、もう石ころで住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつって、まんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、ポップコーンかよ。C'est du popcorn。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。な。うわら！やめろ！お前、コミジュルなのか？おい、待て！Bon ben, let's go. Ah ben, voilà. Je pensais qu'il allait avoir une course poursuite. Nande anna koto shitan da? Yatowaretan da. Ano mise wa mechakucha ni sureba taikin wo kureru tte na. Un million. Ah ouais. Kankoku no mafia ka? Sou daro? Shirane. Kouen de nonde tara koe wo kageraretan da.店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ。 J'avoue que 1 million、Il y a une grosse massue par contre. Oh là oh là oh là oh là. Ah bah, en un coup. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Bon, tant mieux. D'un côté.名前なんだっけ？ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかい？お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる？まあ。身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。てめえちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたけ、あのアマに聞け。アマ？うん。お待て、おい一番、オーナー。やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ、笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて。あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつはアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか。そんなの知らねえよ。いや、そんなのどうでもいいだろ。C'est quoi cette phrase de fou? C'est quoi cette phrase de fou?
Je m'en souvenais pas. Il disait pas que toutes les femmes étaient des pétasses, hein, mais... En plus, enfin, je dirai après. Très Luffy comme celle encore une fois. Mais ouais, quand il a dit pétasse, en fait, en japonais, il a dit genre foutu femme ou un truc comme ça. Genre, il a dit femme, mais de manière un peu méchante. C'est genre cette saleté de femme, quoi. Un truc comme ça. Comment dirait ce bâtard, quoi. Ah, vous revoilà. J'ai oublié de traduire. Hein ? Ah, on dirait que tout s'est bien passé. Vous m'avez vraiment sauvé. Et ça n'a pas traîné en plus. Ouais, enfin, je crois que c'est bon. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? On vient de recevoir un appel, sûrement de cet homme qui est passé. Hein? Tu parles de Matsuo? C'est lui qui a appelé? Ouais. Il a dit qu'il était désolé et qu'on pouvait laisser le câble comme il était. Pour moi, c'est réglé. Sérieux? On a réussi, Ichiban. Ouais, mais tu crois que Matsuo faisait vraiment partie des Jomijul? Des Coréens? On s'en fiche, le problème il est réglé. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien de spécial, à part qu'on a demandé ce qu'on m'a demandé de faire. Ah, tant de modestie, tu m'impressionnes. Voilà pour vous. 5000 yens en tout. Je pensais que c'était 5000 yens chacun. J'aimerais pouvoir vous donner plus, mais je dois encore de l'argent à Amako. Je ne peux pas faire plus. C'est pas parce qu'on est SDF qu'il faut en profiter, hein. On a risqué nos vies pour... C'est bon, Nanba. On l'a aidé, c'est tout ce qui compte. Alors comme ça, ma vie vaut pas plus que 2500 yens. Dans ce cas, j'ai une autre proposition. Si vous travaillez pour moi demain, je vous donnerai 5000 yens et on sera quitte. Toi aussi, tu tiens un bar? Dis pas de conneries. Tu vois vraiment tenir un trou à rats comme ça? Il y a plusieurs restaurants un peu plus bas, en descendant le long de la rivière. Je suis là-bas. Des restaurants, ça donne envie. Il y en a un qui aurait besoin d'un bon nettoyage, mais il faut que ce soit impeccable. Ok, ça marche. Merci. Entendu. À demain, alors. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, comment vous vous appelez? Nanba. Et moi, je m'appelle Kasuga. Tu n'as pas de prénom? Ichiban, c'est Ichiban Kasuga. Pour de vrai, je rigole pas, c'est pas un jeu de mots. C'est joli. C'est joli, tu ne devrais pas avoir honte. Moi je l'aime bien la mamie.
Et on va la revoir du coup, déjà demain, mais ensuite plus tard aussi. Vous avez obtenu la clé de maître en argent, cette dernière vous permet d'ouvrir tous les coffres en argent de la ville. Oui, du coup, il y a des coffres cachés un peu partout et... vous pouvez boire et manger dans divers restaurants, ce restaurera votre santé, blablabla. Bla 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 bla. Oui, on peut manger dans des restos, enfin bref. Et devant, il y a des méchants, on va pas y aller. J'adore comment court dans le bas, c'est terrible. Devant, il y a un méchant, on va essayer de l'éviter. Oui, il y a des coffres du coup cachés un peu partout avec des objets dedans. Et du coup, j'ai la clé pour ouvrir soit en argent. Et il y a des coffres en or, mais les coffres en or, il faut une clé spéciale qui s'utilise qu'une fois. Donc ils sont un peu plus durs et les récompenses sont meilleures. Merde. Je voulais les éviter, j'ai foncé sur eux quoi. Tant pis. Et j'ai monté de niveau donc cette fois on les bat en un coup, ça passe. Oh sauf lui. Nanba du coup il a moins de force parce que c'est un magicien. Et du coup il a moins de force. Alors que Ichiban il a plus de force. Donc il fait plus mal. Enfin c'est un magicien, vous avez compris, c'est le cliché du RPG du magicien dans les jeux vidéo quoi. Des méchants qui arrivent par là. Du coup là il faut aller où? Au camp de SDF pour dormir. Parfait. Wouah, il y a des ennemis à gauche, à droite, devant. On va passer par là. Oh c'est quoi ça déjà? Ah oui je me souviens d'elle. Voilà un bol de soupe porc bien chaude. C'est une dame qui campe à côté du camp de SDF. Non, je comprends rien au shogi. J'ai essayé d'apprendre le shogi, mais je comprends rien. Je disais oui, c'est une dame en fait qui fait du bénévolat, enfin une association quoi, qui donne de la bouffe aux SDF gratuitement. On a du pain sur la planche demain. Il faut qu'on se lève tôt. Ouais, bonne nuit. Et Nanba il dort dans le carton? Il dort vraiment dans le carton du coup? Parce que là il s'est retourné vers le carton quoi. Drôle. Oh. C'est l'heure d'aller au restaurant de Hamako, en route. Je crois bien qu'elle a dit que c'était plus bas le long de la rivière. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense. Ouais, je pense. C'est juste là son restaurant. Mais on va s'arrêter là parce que je pense qu'il va se passer de gros trucs. Je sais plus du tout. Et vu que je peux faire que une heure de vidéo, autant, ouais, vous avez compris ce que je veux dire quoi. Autant s'arrêter là pour pas avoir à stopper en plein milieu d'une cinématique ou quoi. Nanba qui a perdu de la vie là, oh là là. Voilà. Et bientôt, je pense que c'est à la fin de ce chapitre que les combats vont être meilleurs. En fait, on va débloquer un truc et voilà. Là on voit que la rivière. Désolé, je change de sujet trois fois en 10 secondes. On voit que la rivière elle est bien polluée quoi, elle est bien, bien dégueulasse. Et oui, on va débloquer un truc en fait qui va rendre les combats bien meilleurs. Elle est là, la mamie. D'ailleurs, on peut faire des selfies. Ouais, j'adore la pollution. Nanba, viens, on fait un selfie à côté de la pollution. Voilà, il s'est mis en mode selfie. Hop là, un petit selfie tous les deux. Bref, à la prochaine, portez-vous bien, tout ça.